Donc, mon nom est Pierre Tossu, et donc mon parcours est que je viens d'une famille en fait de commerçants, d'importateurs de fruits, et à un certain moment, j'ai décidé de m'inscrire à Jean Blou pour y suivre des études d'ingénieur agronome, car je rêvais de devenir un jour agriculteur. Donc, j'ai suivi mes études pendant 5 ans en agronomie, dans la section élevage, nutrition animale. Et je dois dire que ça a été une période assez extraordinaire, tant au niveau des rencontres que j'ai pu faire, parce qu'une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est toujours cette solidarité entre les étudiants eux-mêmes, mais aussi de la solidarité entre les étudiants et les professeurs. J'ai aussi rencontré beaucoup de professeurs extrêmement passionnés. Je pourrais citer notamment Arsène Burny, mais il y en a bien d'autres. J'ai M. Théouis, M. Tonnard et beaucoup d'autres professeurs qui m'ont vraiment inspiré et qui m'ont donné le goût du travail et aussi d'aller en profondeur dans les sujets que l'on traitait. Et donc après, bien sûr, est venu le mémoire, où j'ai eu la chance de faire un mémoire dans le domaine de la fermentation et de la biotechnologie, à cheval entre la nutrition animale et la biotechnologie, ce qui était déjà assez avant-gardiste à l'époque. Et c'est grâce à ce mémoire de fin d'études que j'ai pu, je vais dire, entrer dans la société dans laquelle je travaille aujourd'hui, qui s'appelle Puratos, qui est spécialisée dans les ingrédients pour la boulangerie, pâtisserie et la chocolaterie. Bien sûr, entre la fin de mes études et l'entrée chez Puratos, j'ai eu une petite période où j'étais assistant à l'université en bio-industrie. Et puis après, je suis passé dans l'industrie, j'ai fait le grand saut. Je suis entré par la porte de la recherche et développement. J'ai développé la fermentation chez Puratos pour la production de levain, de levure et ainsi de suite. Et j'ai fait ça pendant une très longue période avec un rôle de développement de produits, ensuite de développement de marché, de gestion d'usine. Et puis à un moment donné, en 2006, j'ai été nommé directeur recherche et développement du groupe. Donc Puratos a investi énormément dans la recherche et développement, plus ou moins 3 fois ce que l'industrie alimentaire investit en moyenne dans la recherche. Et donc j'ai conduit la recherche et développement vers l'innovation de solutions nouvelles pour les boulangers, pâtissiers et chocolatiers, bien sûr entouré d'une équipe extrêmement professionnelle et compétente. Après cette période, j'ai été amené à prendre, en plus de mes charges au niveau recherche et développement, la gestion de différentes business units dans le domaine de la pâtisserie, du chocolat. Et puis après, j'ai créé chez Puratos ce qu'on appelle la division Channel, qui est plus la partie commerciale du business, de spécialiser la force de vente par type de client. Et voilà, depuis maintenant une petite année, je suis dans une phase de transition, car à partir de janvier 2022, je reprendrai la direction générale du groupe, et je deviendrai le CEO de Puratos, et pour le conduire vers son plan pour 2030, continuer à faire en sorte que l'entreprise se développe, continue à croître et soit prospère pendant toutes ces années, avec bien sûr une forte connotation vers le développement durable et la nutrition, qui sont 2 piliers très importants de notre développement. Un conseil que je donnerais plutôt aux jeunes, c'est d'essayer de se forger le plus tôt possible une idée de vers quoi on veut aller, les choses qui nous donnent de l'énergie le matin quand on se lève, qui nous passionnent, etc. Et de faire ce pourquoi on est passionné, parce qu'alors on peut vraiment aller vers l'excellence. Et puis de pouvoir parler avec des personnes qui ont un certain parcours et qui peuvent enrichir nos expériences, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Je pense que ça, c'est vraiment un élément qui peut nous aider à faire des meilleurs choix et à nous orienter vers le développement. Et puis je pense que s'ouvrir au monde, voir ce qui se passe dans d'autres parties du monde, aller se former aussi parfois à d'autres endroits pour compléter sa formation quand on en a la possibilité ou l'opportunité, je pense que c'est aussi des éléments qui vont enrichir et permettre de continuer à se développer dans ce qu'on aime et dans l'excellence.